Bonsoir à tous. C'est un rendez-vous qu'on avait zappé l'année dernière, la présentation de l'équipe à cause de la Coupe du Monde. C'est la première fois depuis 3 ans qu'il y a une présentation de l'équipe sans trophée. Sans trophée malheureusement, puisqu'on n'a on a pas gagné de titre la saison dernière. Et en plus on a perdu le premier match. Le premier match de top 14 de cette année à Bayonne, je ne sais pas si vous avez suivi dimanche dernier. Et ça se ressent un peu dans la salle, je le reconnais. Mais il y aura beaucoup de monde l'année prochaine. Vous verrez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? D'abord, un peu de bilan, parce que ça fait... J'attaque ma 11e année dans ce club, ça commence à faire un petit peu. J'y étais il n'y a pas si longtemps le plus jeune président du top 14, je serai dans pas très longtemps le plus ancien. Il y a 10 ans, je m'étais fixé des objectifs. C'est de faire, j'avais dit comme ça, dans un moment un peu où je m'étais un peu lâché, de faire de Toulon le plus grand club du monde. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire le plus grand club du monde? D'abord, il fallait parler des résultats sportifs. Je pense qu'en 10 ans, on n'a pas à rougir. On a été champion de France de Pro D2. On a joué 9 finales. Je le rappelle, quand même, sur 10 saisons, c'est pas mal. Même sur 8 saisons, 2 finales de Challenge, 3 finales de Coupe d'Europe, 4 finales de top 14. On est qualifié depuis 58 pour les demi-finales du top 14, ce qui est pas mal aussi dans l'histoire du club. Et on a joué 2 quarts de finale de Coupe d'Europe. La bonne nouvelle, c'est qu'une année où on est juste vice-champion de France et quart de finaliste de la Coupe d'Europe, ça s'appelle maintenant ici une mauvaise année. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. La seconde chose qu'il faut pour faire le plus grand club du monde, c'est préparer l'avenir. Je crois que c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 2-3 ans, où on savait qu'on avait un modèle qu'il fallait à un moment modifier si on veut obtenir de la crédibilité. Et on a mis en place un travail avec notamment Laurent Emmanuelli sur les jeunes, qui je crois est en train de porter ses fruits. J'ai quand même remarqué qu'aujourd'hui, peut-être la plus grande star du top 14 actuellement a été formée à Tours. C'est-à-dire Suzobar. Voilà. Le travail des jeunes qui commencent à porter ses fruits à Toulon. On a créé une véritable star à top 14 après avoir formé une autre star au rugby à 15, c'était Sonny Bill Williams, mais il y a plus longtemps. Donc je crois qu'au niveau des jeunes, on a fait notre travail, pardon. Il faut un beau stade. On avait un beau stade Mayol, mais il est en train de devenir bien plus beau encore, puisqu'il est en train de s'adapter totalement au club avec tout ce qui a été mis en place. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de loge. Il n'y avait pas d'écran géant, il n'y avait pas 100% des places assises, il n'y avait pas tout ce qui a été mis en place depuis quelques années, qui nous avait permis d'avoir le label stade, ce qui est important pour le top 14. Et puis il y a encore des projets, des projets plus que des projets, des travaux en cours qui font qu'on va avoir un stade dont on n'aura vraiment pas à rougir, voire plus, avec de nouvelles. Les applications possibles, ce qui va être totalement câblé. Et ça nous permet d'avoir un stade moderne qui va nous permettre d'attaquer l'avenir sereinement. Et, alors vous allez rire, hein, parce que je sais que vous adorez ça, mais bon, je suis déçu. Faire une délocalisation, bien sûr. Une image dans le monde, ça c'est important. Ben oui, une image dans le monde. Le RCT aujourd'hui est un club, peut-être le club de rugby le plus connu dans le monde, si on en croit les nombreux joueurs qui viennent nous rejoindre. À ce propos-là, on devait aller au Japon, on a dû repousser pour des raisons de calendrier, mais on ira. On va en Australie en février, participer à un tournoi où il n'y a uniquement des clubs du Super 15, plus le rugby club toulonnais. Et puisqu'on est entre nous, je peux vous le dire, on va se jumeler avec le club de Miami aux États-Unis et participer au championnat américain sous le nom Miami RCT. Ça va arriver
ça va arriver très vite. Voilà, ça serait une façon de développer le RCT aux États-Unis. Alors, il n'y aura pas de délocalisation à Miami, rassurez-vous. Quoique. Mais on va très fortement essayer de développer le rugby professionnel aux États-Unis et de vendre le top 14 là-bas et de vendre le club de Toulon. Parce que je pense qu'un sport ne peut pas se développer s'il ne se développe pas aux États-Unis et qu'il y a déjà des bases extraordinaires dans ce pays à travers le football américain où il y a tellement de candidats et tellement peu d'élus qu'on a déjà des physiques bâties pour le rugby dans ce pays avec un sport qui correspond bien à la culture du pays. Et je crois qu'il y a tout pour réussir. Il y a beaucoup d'autres clubs, notamment anglais, qui sont en train d'investir aux États-Unis de façon à ce qu'une véritable ligue professionnelle puisse se créer là-bas. Et je tenais à ce que le RCT soit représenté, alors à travers l'équipe de Miami, pour des raisons simples, parce que je trouve qu'en matière de climat, c'est peut-être la ville qui nous ressemble le plus. Voilà, ça me semblait pas mal, ce qui explique d'ailleurs que j'en reviens, même si je ne suis pas très bronzé, parce que j'ai travaillé. Voilà ce qu'il fallait pour faire un grand club. Je crois qu'on est en train de réussir. Alors bien sûr, c'est compliqué quand on a un tel passé et de ne pas en parler, mais moi j'ai vraiment envie maintenant de dire voilà, on a vécu de belles années, on a vécu les années Umaga, on a vécu les années Wilkinson, on a vécu les années Laporte, bravo, on a vu autre chose. Est-ce que je pourrais garantir, c'est ce qu'on va dire, dans les années qui viennent sera bien mieux, parce que j'ai autant envie de gagner que vous, parce que tant qu'on n'a pas gagné, on ne connaît pas le bon goût de la victoire. Mais je reconnais qu'une fois qu'on a gagné, il y a une espèce d'addiction qui se crée à la victoire parce que c'est vraiment très agréable. Voilà. Bien sûr qu'on a envie de gagner et que malgré ce début de saison, on va dire, moyen à Bayonne, quoi qu'il se passe à Pau, je vous rappelle que l'an passé, on a quand même démarré par une défaite à Mayol contre le Racing. On a ensuite allé prendre 0 point à Castres et qu'à la deuxième journée, on avait un point, ça ne nous a pas empêché de finir second du championnat. Tout ça, bien sûr, dans l'hypothèse où je ne suis pas élu à l'unanimité à la Ligue nationale de rugby. Peut-être une voix ou deux me manqueront pour faire l'unanimité, mais il y a quand même de fortes chances. Voilà. Tout ça, bien sûr, en préservant les valeurs du club, parce qu'on n'en parle pas souvent à tout le monde, parce que ça me semble une évidence dans le rugby et les valeurs du club. Vous savez, à une époque où on parle énormément de mondialisation, quelle que soit la vie qu'on est sur la mondialisation, et une chose qui est sûre, c'est que les valeurs d'une ville restent très fortes, puisque qu'on soit français ou citoyen du monde, il est certain que si on est français et qu'on est allé à Lille, à Marseille, on n'a sûrement peut-être pas la même vision de la France, pas les mêmes paysages. En tout cas, tous ceux qui vivent à Toulon, ils peuvent dire qu'ils connaissent le même Toulon et qu'ils vivent ensemble et qu'ils ont totalement des souvenirs. Donc le sport aujourd'hui est un vecteur très fort, on l'a vu récemment à travers les Jeux Olympiques, à travers l'Euro de football, tout le bien que ça peut faire dans cette période un petit peu difficile. Et le RCT est un véritable vecteur dans la ville qui défend, qui dévance ses valeurs et qui rapproche les gens et qui leur permet, qui est un endroit, le stade est un endroit qui permet à des gens de se rencontrer, de se parler, alors qu'ils se seraient peut-être rencontrés et parlés nus par ailleurs. Et ça, c'est la première, ce sont les premières valeurs du rugby club toulonnais, pas en particulier, mais en général dans toute la ville. Et ça, je tiens absolument à le défendre. Voilà, on va vous présenter plein de choses. Plein de choses dans une saison qui va être palpitante. On n'a peur de rien. La seule chose qui peut à la rigueur nous faire peur depuis le 24 juin, c'est qu'on tremble chaque fois que l'adversaire prend un carton rouge, parce qu'on se dit que ça va être compliqué à 15 contre 14. Mais sinon, on a vraiment peur de rien sur cette saison qui arrive. Pour vous dire que l'envie est énorme. Et ceux qui, depuis quelque temps, pensent que tout le monde... Bon, voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure du nouveau Mayol. C'est vrai qu'il y a un magnifique stade. Nous, on est épatés par tout ce qui se met en place. Il y a quelqu'un qui est quand même beaucoup plus même que moi pour en parler, parce que non seulement je sais qu'il aime le RCT, qu'il aime sa ville, mais je sais qu'il a un petit penchant pour le stade Mayol, parce que c'est quelqu'un qui voilà, dont le stade fait partie de son histoire. Donc, je vous demande d'accueillir
Hubert Falco, le sénateur de la... territoire et dans l'histoire du Var, à travers tout ce qui véhicule, oui, une image extraordinaire. Lorsqu'on se déplace dans l'Europe entière, quand on arrive dans un pays quel qu'il soit, la première des choses qu'on nous demande, c'est comment va le RECT et le RECT. Et donc, cette image, nous la devons à notre club, aux joueurs, à son histoire, à son passé, à ses racines et à tout ce qui a été fait durant ces dernières années. Alors, moi, je ne suis pas pessimiste, je suis toujours optimiste. Vous savez, on est vice-champion de France cette année. Je ne vois pas la raison pour laquelle on serait là à se dire on a loupé notre année. Non. Regardez les grands clubs dans tous les sports. Le grand Reims au foot, Saint-Étienne, aujourd'hui le Paris Saint-Germain, au rugby, bien d'autres, ils ne sont pas champions de France toutes les années. Et donc, effectivement, maintenir le club au niveau où il est, j'ai entendu Mourad parler de ce qu'il y a d'important et d'essentiel, c'est-à-dire la formation, et c'est très 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 important. Maintenir ses valeurs, maintenir ses racines, c'est, je crois, le but que nous avons collectivement, tous ensemble, parce que nous sommes, le monopole de l'amour du Muguet, mais nous sommes très attachés à ce club, très attachés à ce qu'il représente, très attachés à ses couleurs rouge et noir, et si chacun fait ce qu'il a à faire au niveau où il doit le faire, croyez-moi, nous aurons encore de très belles années devant nous avec le RECT, avec les Rouges et Noirs. Alors oui, moi je dois vous parler de Mayol. Mayol, effectivement, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était Mayol. Mayol a une âme. Mayol, c'est ce qu'on a... Mayol fait partie intégrante du patrimoine toulonnais. Mayol a une histoire, Besan. Les anciens n'ont de cesse de nous la conter, ou ceux qui ne sont plus là l'ont écrite. Quand on était tous jeunes, au marché de Besan, quand on passait devant Mayol, tel qu'il était, Mayol et son âme, ben, on avait le cœur qui battait très fort. Et Mayol, c'est tout cela. Alors, nous l'avons fait et nous allons l'améliorer. Chacun l'a fait évoluer, mais l'âme reste ce qu'elle était. Ce qu'elle était, c'est son histoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours été très attaché à Mayol. Perdre Mayol à Toulon, ça aurait été perdre la raison. Ceux qui quittent Toulon perdent la raison. Moi, je n'ai pas envie que les Toulonnaises et les Toulonnais perdent la raison. C'est la raison pour laquelle on a pris l'option d'améliorer Mayol. Parce que dans ce monde qui va vite, très vite, trop vite, parfois, dans le sport, il y a aujourd'hui le professionnalisme. Rien ne peut être comparé à ce qui se passait avant, parce qu'avant, on était amateur, aujourd'hui, on est professionnel. Il faut adapter Mayol au professionnalisme. C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire. Vous savez, il y a des améliorations qui se voient et celles qui ne se voient pas. Et depuis 10 ans, nous travaillons à améliorer notre stade, je vous le promets, pour en faire l'un des stades les plus confortables de France. C'est le plus beau. Voilà.
mais nous allons en faire un stade très confortable pour l'ensemble des spectateurs, qu'on soit à Finale, à Delangre, à La Fontaine ou à Bonus ou ailleurs, dans une loge ou tout simplement au bord du terrain. Écoutez, à Mayol, on s'y sent bien parce que tout simplement on est chez nous. Voilà, alors vous avez vu que la tribune Bonus, les travaux se terminent. Voilà le chantier tel qu'il se représentait. Normalement, je ne dis pas normalement, oui, la tribune sera entièrement terminée pour le match de Clermont, hein, le 23 septembre. Elle sera terminée avant. Vous allez l'avoir terminée à Brive. Alors, ne nous en voulez pas. Vous savez, en matière de sécurité, pour que les spectateurs pénètrent sur la tribune, Madame le Préfet, vous le savez, il faut qu'elle soit homologuée. Donc Brive, ça sera pratiquement terminé, mais elle sera homologuée que contre Clermont, c'est-à-dire le 23 septembre. Voilà. Bonus qui rentre sur le terrain, c'est 1000 spectateurs en plus, c'est-à-dire que pour la saison en cours, Mayol aura 16 400 places assises et 29 loges pour la saison en cours. Vous avez vu que nous avons refait de l'angle. On y reviendra sur de l'angle. Pardon ? Vous voulez que je parle ? Voilà. De l'angle, on l'a adapté aux personnes à mobilité réduite. Il y a l'ascenseur aujourd'hui qui leur permet d'accéder à Delangre. On a supprimé le grillage de Delangre et aujourd'hui les spectateurs de Delangre seront sur le terrain. Alors, que Finale ne nous envoie pas, on va faire la même chose à Finale. Le problème c'était le temps. Parce que moi, il me dit, on prend le temps de faire les travaux. Mais il me dit aussi, oh, tu sais, Hubert, il faut faire deux matchs amicaux en juillet, en août. Et donc, on aurait aimé faire Finale cet été comme de l'arbre, mais on a été pris parce qu'il y a eu les matchs amicaux du mois d'août et que, vous le savez, on ne pouvait pas fermer Bonus, on ne pouvait pas fermer de l'arbre, on ne pouvait pas fermer Finale. Hein. On aurait fait des matchs amicaux devant personne. Donc, voilà. Mais dès qu'on peut, on va entreprendre les mêmes travaux à Finale. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de grillage devant Finale. D'ailleurs, ces palissades, on les a mises même devant La Fontaine. Là aussi, il y a des travaux qui ont été réalisés. Et vous avez vu que la tribune Bonaparte, alors moi je dis Bonaparte, parce qu'elle est en face de l'Europe Bonaparte, si on peut la voir, on voit le trou. Ils n'ont pas mis les photos du trou de la tribune Bonaparte. Elle va avancer à vitesse grand V. C'est-à-dire que Bonus va rejoindre Delangre et dès cet hiver, c'est-à-dire dès le mois de décembre, vous allez voir la tribune. Ça avance très, très, très vite. Et donc, cette tribune sera fonctionnelle à l'été prochain. C'est-à-dire que dans les matchs amicaux de l'été prochain, on aura un stade de 18 200 places assises. Tribune Bonus, on ne s'est pas contenté de mettre des spectateurs en plus, puisqu'on a créé deux blocs sanitaires supplémentaires, on a créé deux buvettes supplémentaires, on a créé une boutique, on a créé deux blocs de vestiaires pour les stadiers, parce que les stadiers n'avaient pas de vestiaires, maintenant les stadiers auront des vestiaires, on a créé une infirmerie pour le public. Le public aura, elle est faite, à Bonus, une infirmerie pour le public. On a couvert entièrement le parvis arrière, et vous avez vu qu'il y a un habillage de dos à Bonus, qui fait que ça sera tout un ensemble avec la nouvelle tribune qui va être construite, et il y aura ainsi un stade qui présentera un ensemble cohérent. Voilà. Donc le quart de virage, ça avance très vite. Il y aura 1500 places supplémentaires, 8 loges supplémentaires,
il sera fonctionnel dès l'été 2017, mais les travaux ne vont pas nous empêcher de jouer durant toute la saison, puisqu'ils se font sur la partie Bonaparte. C'était un trou, on va le combler. On aura moins de problèmes avec la tribune que cette année avec la tribune bonus, où on a été obligé de supprimer des places, puisqu'on a joué qu'avec 14 000 places assises. Voilà ce que va donner notre stade Mayol. Alors, avec plein d'autres travaux internes, cette année on a encore amélioré les vestiaires, on a encore amélioré, on a posé un revêtement anti-dérapant dans le couloir, parce que les joueurs se plaignaient qu'ils dérapaient dans les couloirs. Vous avez vu qu'on a remplacé le tableau de score. Alors les règlements changent, on dit que il y a des améliorations administratives en France, mais alors au rugby, les règlements changent chaque année. Il paraît qu'il fallait changer le panneau, donc nous l'avons changé, on met un peu de dur, on éclaire. Écoutez, je vous promets, et ce n'est pas une promesse en l'air, Mayol sera un pur joyau pour que notre équipe joue dans les meilleures conditions et que tous ensemble, très souvent, nous entendions chanter Mayol. Je disais... Je disais à Mme le préfet qui était près de moi, croyez-moi, il n'y a rien de plus beau que Mayol qui chante. Et ensemble, collectivement, croyez-moi, on craint des gueules. Voilà. Une animation que vous allez découvrir en partie pour le match de Brive et surtout pour le match contre nos amis clermontois. Voilà, donc on a mis une toute nouvelle signalétique, on a mis en place, vous verrez, pour faciliter l'accès des abonnés, des entrées spéciales pour les abonnés, pour les partenaires, de façon à ce que la fluidité du stade se fasse très vite, d'autant que vous le savez, on est quand même actuellement dans un climat compliqué, et j'espère sincèrement qu'on pourra très vite organiser des matchs de rugby à Toulon sans avoir besoin de sécuriser des sortes de fan zones, parce que c'est lourd. Alors voilà. Tout a été basé sur une application que vous pourrez avoir au stade. Alors cette application, ça vous donnera des informations que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Alors les informations que ça vous donnera, ça vous permettra bien sûr d'acheter des billets au stade, ça vous permettra d'acheter des places de parking. Mais pendant le match, ça va aussi vous permettre d'avoir, par exemple, les remplacements qui vous seront annoncés avant. Sur votre appli, on vous dira, attention, dans 5 minutes, il y a tel joueur qui sort et tel joueur qui rentre. Par exemple, ça on le sait à la télé, on ne sait pas sur le stade. Ça vous permettra également de communiquer avec des gens qui sont au stade, dans d'autres tribunes, de savoir si vous voyez le même match. Ça vous permettra éventuellement, pour qu'on fasse un petit peu d'argent aussi, de commander à boire et être servi sur place. Ça vous permettra aussi de revoir les actions du match. Si vous avez envie de revoir une action du match, ben vous la commanderez sur votre appli. Ça vous permettra aussi d'avoir toutes les stats à la mi-temps. Vous pourrez, par exemple, faire le point sur chaque joueur, savoir comment il a réussi, comment il a fait le plaquage, s'il a fait des franchissements, s'il a gratté des ballons. Vous aurez exactement toutes les stats du match pour déjà voir avec votre voisin si vous avez vu le même match, et si vous ne l'avez pas vu, ben c'est les chiffres. C'est les chiffres qui parleront. Ça, c'est pour le confort au stade. Alors, on a aussi prévu quelques animations. Alors, il y en a une qu'on a un peu dévoilée. C'est qu'on a, créé un groupe de ramasseuses de balles. Et non, alors, on nous a dit, oui, mais les jeunes de l'école de rugby, bien sûr qu'on a pensé à eux, puisqu'ils auront bien sûr accès au stade. Voilà, mais qui assureront une animation pendant les matchs. Alors après, ça c'est une idée à moi, hein. Bien sûr, on a créé ce qu'on appelle le crazy time. En français, c'est le concours stupide. Et donc, on compte un peu sur vous, et on cherche, on a lancé des premiers appels à candidature. Donc le premier concours stupide, je crois, qu'on a lancé pour le match de Brive, c'est le plus gros mangeur de hamburger à la mi-temps. Et on a pas mal de candidatures à Toulon, il faut reconnaître. Et je pense qu'on peut sortir un champion du monde à Toulon. Mais il y aura plein de concours comme ça qu'on a envie de lancer. On a aussi fait une chance qu'on va avoir deux animateurs au micro. Parce qu'il y a des gens qui nous disent c'est bien d'avoir une femme, et des gens qui nous disent c'est bien d'avoir un homme. Donc on a décidé d'avoir un homme ou une femme, un duo. Voilà, animateur au micro.
vous verrez. Donc il y a plein de nouveautés. Je ne veux pas tout vous dévoiler de façon à ce que, ceux qui payent un ticket d'entrée aient quand même plus d'informations que ceux qui viennent gratuitement, ce qui me paraît normal. Mais vous verrez qu'il y a plein de choses qui ont été mises en place à Mayol, et puis on a encore plein de trucs pour les saisons qui viennent. Voilà, alors, je n'ai pas trop préparé comme d'habitude, mais là c'est encore pire, puisque je ne vous cache pas que j'ai le, en plus, j'ai le décalage horaire, c'est une horreur. Alors, il y a une grande nouveauté cette année, c'est qu'on a changé d'équipementier. On voulait aussi vous en parler, parce que le choix n'est pas anodin. Je suis sûr que pas mal d'entre vous, enfin, ceux qui, comme moi, ont largement passé la cinquantaine, malheureusement, ont été fans à une certaine époque d'une marque française, ça c'était important, parce que je tenais à travailler avec une marque française qui était symbolisée par un coureur de 110 mètres haies qui s'appelait Guy Drou, qui était symbolisé aussi par un joueur de football qui s'appelait Michel Platini, qui était symbolisé aussi par d'autres joueurs de football qui jouaient à l'OM, comme Skoblar, Magnusson, je ne sais pas si vous avez connu ces noms-là. Et quand j'ai appris que cette marque allait se relancer, ça m'a paru comme une évidence de me dire que ça serait vraiment bien que le RCT travaille avec une marque française. On a mis en place un cahier des charges en termes de qualité, parce que je pensais qu'on pouvait encore améliorer la qualité de nos produits. Vous avez dit le voir, on a lancé ce slogan « Tout est différent » parce qu'on a décidé de complètement changer le look de nos produits. Il n'y a que le maillot qu'on veut faire évoluer, voilà, parce que c'était compliqué. C'est compliqué, on voulait faire un maillot violet au départ, on s'est dit on va avoir des soucis, un maillot bleu, je ne vous en parle même pas, donc on a décidé de garder un maillot rouge et noir. Pour la petite histoire, le maillot bleu qu'on avait fait il y a quelques années pour le premier match de Coupe d'Europe, c'est vrai qu'il y a eu des débats, mais je vous signale quand même que je connais un nombre incroyable et insensé de gamins qui ont acheté ce maillot bleu parce qu'il leur plaisait bien. Voilà. Et moi aussi. Bon, alors, et pour ces, donc j'appelle le président de Hongaria, M. Pierre Absence. S'il est là, M. Pierre Absence, welcome. Bonsoir. Et il va vous présenter de sa marque et de ce que nous voulons faire en termes d'image ensemble, pour l'RCT. En fait, il y a un maillot qui s'est déchiré, je ne sais pas si tu l'as vu. Là, c'est amical contre tous, il faudra faire attention. Je te signale que sur le maillot déchiré, j'ai eu la photo qui m'a été envoyée par Brian Abana. Ben oui, c'est normal. Donc je lui ai dit qu'il avait trop de mousse. Il aurait même dû t'envoyer le maillot que tu nous rembourses. J'ai mon ami Gilles Pantani qui en coulisses m'a amené le maillot déchiré pour me dire tiens, regarde, c'est une bonne soirée, mais regarde le maillot déchiré. Donc on va réparer. Voilà. Est-ce que je peux raconter une anecdote? Vous savez qu'il y a quelques années, j'ai fait. Parce que Pierre était dans une autre équipementier, mais il n'était pas président, qui était Burda, si mes souvenirs sont bons. Et il y a quelques années, on a joué une demi-finale, je ne sais plus où, contre Clermont, qu'on a gagné une de plus. Et Clermont, c'est ton typique. Mais c'est réciproque. C'est bien latéral, c'est réciproque. Voilà. Mais eux, ils ne savent pas pourquoi, mais je sais pourquoi. Et donc, cette demi-finale qu'on a gagnée, donc c'est pas très grave. Et à un moment, le staff avait préparé une combinaison. Où, si mes souvenirs sont bons, c'était le centre qui passait. Il y en avait repéré un 10 à Clermont qui a signé à La Rochelle et qui plaque pas trop. Et on avait dit, on va au cœur et on passe par là. Et donc, ça passe sans problème. Mais il se trouve que le joueur de Clermont réussit à attraper un bout de maillot. Et devant moi, alors qu'il n'y avait plus personne et qu'il allait marquer l'essai, je vois un maillot se détendre, ne pas vouloir craquer. Donc ça, il s'est détendu sur 2 mètres, ça nous a empêché de marquer un essai. J'allais le tuer. L'anecdote, c'est que l'année d'après, ouais, à Cardiff, contre les jaunes, d'accord, et on a encore gagné, Delon se fait prendre pas le coup du maillot, ouais, et le maillot ne lâche pas. Et ça fait l'écart, comme quoi un maillot. Comme quoi un maillot est très important. C'est pas la soirée d'avoir visité quand même. Non. Allez, à toi. Non, parce que moi je viens de signer pour plusieurs années avec un club que tout le monde estime le club le plus important au monde dans les clubs de rugby. Ils ont raison. Pour moi, c'est l'équivalent de Barcelone en foot.
Donc vous n'êtes pas en train de me plomber ma soirée en disant je viens, alors j'ai mis mes couilles sur la table pour acheter la plus vieille marque française, développer le business en France avec Bertrand Hollande, les anciens, les anciens, et la pluie comme fait une soirée, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, on va peut-être y arriver et tout. Putain, mais sans couper les doigts du cul, on va gagner. Voilà, c'est ça l'histoire. Parce qu'il fallait avoir plus de 55 ans, mais moi j'en ai 56. Je te remercie pour moi, parce que je connaissais le monsieur. T'as le même âge que moi, donc c'est normal. Même ça se voit pas. Donc. T'es beaucoup plus jeune. Tu fais beaucoup plus jeune. Donc, l'histoire c'est Ungaria, c'est la plus vieille marque française. Ça a été créé en 1931 par deux frères à Orléans. Ça a été racheté par Adidas qui les a tués pour prendre les parts de marché. Et moi, comme un fou, j'ai racheté cette marque. Et avec mon équipe de jeunes, on repart de zéro. Donc imaginez qu'on est en Pro D2 et qu'on finit champion d'Europe. C'est à peu près l'histoire qu'on se souhaite. J'ai pas oublié Bernardino. Oui, Bernardino, parce qu'en plus, on vient de signer la Fédération Française de Cyclisme et AG2R avec Romain Bardet qui fera le Tour de France en Hongrie l'année prochaine. Donc on a une marque qui a une histoire. Il y a eu des produits iconiques. J'ai même sur mon bureau un maillot de rugby, un ballon rugby avec Rugby Club Toulonnais, Guernsey Sport. Donc on a des icônes. Si on change les slides, ça va être encore mieux. Et on est parti de zéro, comme un club de rugby qui voudrait gagner la Champions League et qui se dit, ok, qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver? Donc on ne peut pas remettre la bande et dire, on va faire la même chose que les autres, il faut tout se remettre en cause. Hubert Falco tout à l'heure a dit Mayol, on est en train de se remettre en cause, on refait pour avoir le plus beau Mayol du monde. Et bien nous c'est pareil, tous les jours on doit se remettre en cause. Donc derrière, on a changé de logo, on est allé, on a créé une gamme de textiles, de chaussures, d'accessoires. Si on accélère sur le slide, c'est mieux. Je veux vous sortir les doigts du cul en coulisses, s'il vous plaît. Et donc, on a toute une gamme, et bien évidemment, non seulement on a signé Toulon, mais on a signé un certain nombre de clubs qui fait qu'aujourd'hui la marque, pour sa première année, est la deuxième marque équipementière des sports de haut niveau en France. Et on a une marque qui va dans le rugby, qui a bien évidemment le RCT, on a La Rochelle, on a préparé le terrain pour le développement international de Mourad avec le rugby 7 à Singapour. On a pris une marque de légende dans le foot qui est le Stade de Reims. Le Tour, on a Charleroi qui est en tête du championnat de Belgique, on a des clubs de basket, on a des clubs de handball, et on est également partenaire de l'Open de France de polo, comme du champion d'Europe de volley qui est le Scrabble Jatov en Pologne, ou de tous les événements BMW, et récemment, ce que je vous ai annoncé, la G2R mondiale pour les Tours de France pour les 4 prochaines années. Donc cette perspective-là, c'est de s'associer avec et de bénéficier de la valeur du RCT. Moi qui voyage pour mes affaires et qui dois aller construire notre légende à l'étranger, le RCT est unanimement apprécié et c'est le meilleur club de rugby sur les 5 dernières années. Soyez fiers. Maintenant, l'année dernière, j'ai eu une paire de boules à Barcelone comme jamais. Moi non, ça allait bien. Toi, ça allait bien. T'es parti plutôt que moi, si c'est ça le problème, t'as pas vu la fin. Mais... on n'a jamais envie de revivre ça, et pourtant ça nous est arrivé. Donc maintenant on se relève, on y va. Nous, en tout cas, la marque, on est à 250% avec vous. On fait le corps, je connais le club, on est passionné par ce club, vous avez le meilleur public. C'est maintenant qu'il faut le trouver. Il faut que je remercie Mourad. Parce qu'il faut avoir une sacrée paire de couilles pour dire oui à une marque qui se relance, alors qu'il a les plus belles offres, mais qui nous a fait confiance. Donc merci Mourad. Ce maillot, c'est le maillot du peuple toulonnais, ceux qui sont là et ceux qui ne sont plus là. Et je le dédie à l'ensemble des Toulonnaises et des Toulonnais. Nous, on s'est engagés pour l'éternité. Bon, je vous invite à applaudir encore et à remercier.
slow, ça pèse au moins 100 ans de fidélité. Je ne parlerai que de fidélité, pas d'argent, mais ça pèse au moins 100 ans de fidélité. Et ça, ça n'a pas de prix. Merci à vous, merci à tous.